c'est joué à Bissau. Responsable du rapport de l'équipe de construction d'adjoint. Je suis en charge de l'organisation, de toutes les activités, de tous les rapports de l'équipe. Et le report, qu'est-ce que c'est? Le report, c'est une plateforme SMS ici les réseaux sociaux qui consiste aux jeunes de pouvoir porter leur voix sur les faits qui trouvent un peu la société. Voilà. Et donc là, je viens voir sur le terrain, il y a tout un groupe. Vous êtes là pour quoi? Voilà, depuis quelques jours déjà, avec l'inondation, c'est juste un geste bénévole, un geste citoyen, et pour le port de Côte d'Ivoire. Et chaque jour, avant même que l'inondation même ait lieu, c'est chaque jour nous faisons des actions dans les communes. Donc c'était déjà dans notre champ d'action, on a trouvé juste de cette action-là, ici à Labra, pour venir en aide aux familles sinistrées. Et tout ça, donc on a trouvé ça juste pour nous, c'est un geste citoyen. Et vous êtes là depuis combien de temps? On est là depuis 3 à 4 jours par là. D'accord. Et donc vous commencez à travailler à quelle heure? Vous terminez à quelle heure? Voilà, ça dépend. Voilà, il y a d'autres, on se change en fait. Il y a d'autres qui viennent le matin. Quand ils sont fatigués, on est venu là, nous on est venu relayer ceux qui étaient là le matin. Voilà. Et il y a la permanence, il y a d'autres qui sont en la permanence, ils sont là jusqu'au soir. Voilà, 22h, 23h, ils sont là juste pour trier les vêtements qu'on doit remettre aux familles, les dons qu'on doit remettre aux familles. D'accord, quand vous arrivez, vous venez avec votre matériel ou vous le prenez sur place? Oui, logiquement, on vient avec notre matériel. Mais comme vous le savez tous, c'est quelque chose qui est arrivé, il y a des entreprises qui font des dons et on les utilise aussi, pour travailler. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci. Ben voilà. Vous nous voulez pas me ramener.
À la bras pour aider nos parents qui sont là-bas. Comme vous voyez, il y a du sable dans les maisons, on a besoin de personnes. Venez, faites comme nous. Maintenant, je présente brièvement U-Report. U-Report a trois volets: engagement, entrepreneuriat et discussion. J'explique. Engagement, par exemple, les jeunes qui sont ici sont engagés, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Je rappelle, personne ne paie notre transport ni notre nourriture. Nous sommes des bénévoles. Entrepreneuriat, parmi nous, il y a des chefs d'entreprise, ils inspirent, ce sont des modèles pour nous et on essaye de faire comme eux. Échange, nous sommes nombreux, plus de 200 000 membres en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une plateforme à l'âge de jeunes pour échanger. U-Report, ta voix contre ton travail aussi. Bonsoir, ici Gérald Aké Akré. Okay. Je suis U-Reporter Yopougon. Ça fait pas près de moi que je suis là. Mais en tout cas, je suis là, vous voyez, avec les pluies diluviennes, depuis près d'une semaine, vous voyez que la pluie font vraiment des dégâts dans certains quartiers. Par exemple, la commune de Cocody. Ici, nous sommes à la cité, à la barre pour aider. Franchement, vous voyez, d'abord, c'est déplorable tout ça. Vraiment, beaucoup de personnes ont été traumatisées après le constat qu'on a eu sur le lieu. Bon, maintenant, nous, c'est un vrai plaisir d'apporter notre aide à toutes ces personnes aujourd'hui qui ont été touchées par ces pluies. Et franchement, il y a beaucoup de bien, puisque certaines entreprises nous apportent leurs aides. Donc j'aimerais dire aussi aux jeunes qui ne sont pas U-Reporters que vraiment U-Reporters, c'est bien. C'est bien. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à acquérir. Par exemple, faire du bien aux autres, c'est vraiment. Ça te donne une paix du cœur, ça aide son prochain en quelque sorte. J'aimerais inciter tous les jeunes qui ne sont pas U-Reporters à adhérer au club U-Reporters parce que U-Reporters c'est la joie avant tout et la paix du cœur. Voilà. Oui? Je me nomme Yapo Miles, U-Reporter. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, pour vous présenter d'abord U-Reporters, U-Report. C'est une communauté ou même une plateforme créée par l'UNICEF. Une plateforme créée par l'UNICEF dans le but premier de permettre aux jeunes de s'exprimer, de faire entendre leur voix sur les faits qui nous font face. U-Report encore est une communauté de jeunes motivés, engagés, dans le but de faire des actions positives, poser des actions positives comme vous le voyez. Aujourd'hui, durant les pluies du week-end, on a causé plusieurs dégâts. Nous sommes là, nous sommes présents pour participer. C'est vraiment un grand plaisir, un énorme plaisir de partager ce sourire aux personnes en ligne. Merci. Coucou, c'est Tony Fontadeli, U-Report Shooting Côte d'Ivoire. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour aider les familles sinistrées suite à l'inondation qui s'est passée. Donc, nous vous incitons à venir, vraiment, parce qu'il y a assez en cas, assez de trucs à faire. Et nous vous incitons à venir nous aider. Merci.